Un beau jour, un peu avant 10 h du matin, heure de la côte est des États-Unis, le monde allait plonger dans le plus grand conflit de son histoire, le plus dévastateur, une guerre atomique globale. Ce jour-là, ce ne sont pas moins de plus de 10 milliards et demi de personnes qui arpentaient le monde, mais combien ont survécu? Salut les survivants, c'est Kendi Goldo, nouvelle vidéo histoire de Fallout avec une question de taille, une question qui nous est forcément un petit peu passée par la tête. L'événement déclencheur du post-apo que l'on connaît dans la saga de jeu Fallout est la Grande Guerre, un échange global d'ogives nucléaires entre les nations possédant l'arme nucléaire, mais... Justement, combien ont survécu à cette guerre? On sait très bien que nos propres guerres mondiales ont fait des millions et des millions de morts, donc imaginez déjà, ne serait-ce qu'une guerre globale touchant tous les pays du monde et en plus utilisant ces fameuses ogives nucléaires tant redoutées. Il est en tout cas dit que l'entièreté des nations munies de l'armement nucléaire s'en est servie ce jour-là dans l'univers Fallout, mais concrètement, à combien pouvons-nous évaluer la population des ex-États-Unis, tout d'abord, là où évidemment nous foulons le sol dans les jeux de la saga Fallout, et enfin, par extension, combien ont survécu à l'échelle mondiale après ce cataclysme majeur? Différentes données nous permettent de potentiellement avoir un semblant de réponse, et je dirais même avoir une réponse assez qui tient assez la route. Dans Fallout 1, Fallout 2 et Fallout New Vegas, il est une faction bien sûr que l'on connaît tous en tant que fan de Fallout, une faction très puissante, la République de Nouvelle-Californie. La RNC occupe en l'an 2300 la quasi-entièreté de la côte ouest. Il est mentionné que la population sous l'égide de la RNC est évaluée à 1 200 000 personnes en 2300. Pour calculer et continuer de répondre à la question de la vidéo, je vais partir de ce point de repère de l'an 2300 et de la pollution. De la pollution, frère, mais putain. Je vais continuer en prenant ce point de repère de l'an 2300 et de la population de la RNC. Le territoire de la RNC en 2300 est équivalent à l'entièreté de l'État de Californie, une partie du sud de l'État de l'Oregon, la moitié ouest de l'État du Nevada, ainsi qu'une partie de l'ouest de l'Arizona d'avant-guerre, suivant un rapport de proportionnalité que j'ai moi-même calculé. Le territoire d'après-guerre, occupé par la RNC, abritait pas moins de 50 millions de personnes en avant-guerre, en l'an 2077, avant que les bombes ne tombent. On est donc passé de 50 millions le jour de la Grande Guerre à seulement 1 200 000 en 2300. En étendant ce constat à la population des États-Unis et donc au territoire des États-Unis entier, on serait passé de 400 millions de personnes le jour de la Grande Guerre à seulement 12 200 000 survivants américains sur le sol des États-Unis d'Amérique en l'an 2300. La population américaine aurait été divisée par 41, c'est aussi simple que ça. 12 200 000 personnes, c'est pour les États-Unis en l'an 2300, c'est-à-dire après 223 années d'évolution post-Grande Guerre. Évidemment, la question c'est combien étions-nous les jours et semaines qui ont suivi cette Grande Guerre directement, dans les mois de novembre et de décembre. Et vous me suivez, on peut ainsi imaginer le nombre de survivants dans le monde en l'an 2300, avec ce qu'on a déjà comme chiffre. En l'an 2077, la population mondiale est estimée à 10 637 736 819 personnes, divisé par 41, cela nous donne seulement 259 millions et demi de personnes pour l'année 2300 à l'échelle mondiale dans l'univers Fallout. Le monde serait revenu à la population mondiale de l'an 950 après Jean-Claude, soit un retour en arrière de plus d'un millénaire de notre démographie planétaire. Si on revient 223 années en arrière, ce chiffre de la population mondiale revient à 215 millions, plus ou moins. Bien sûr, les conditions de vie, la mortalité infantile, l'espérance de vie, tous ces facteurs entrant en jeu dans une étude démographique sont différents entre notre antiquité et l'univers post-apo de Fallout, naturellement. La population mondiale, le jour de la Grande Guerre, serait donc passée de 10 600 millions de personnes à seulement 215 millions de personnes en seulement quelques jours et semaines,
soit la population de l'an 750 de notre histoire. Car tous n'ont pas trouvé la mort dans les explosions et dans les premières heures du conflit, beaucoup ont été irradiés, sont morts de soif, de faim, de maladie ou trucidés par un super mutant qui sait. Toutes les régions n'ont pas évolué non plus de la même façon, donc on connaît bien sûr la Légion de César par exemple, hein, qui occupe une énorme partie du territoire américain et qui est sûrement responsable de dizaines de génocides et meurtres de masse. Les autres pays du monde n'ont peut-être pas été aussi touchés que les États-Unis. Bien sûr, il y a plein de variables possibles. En tout cas, en se basant sur ces chiffres de la RNC en l'an 2300 et en suivant un rapport de proportionnalité à l'échelle mondiale, nous ne serions plus que 215 millions alors après la Grande Guerre. Donc je me base pour cette vidéo sur une planète Terre au moins aussi touchée que ne l'est les États-Unis d'Amérique. Mais justement, dans la Bible Fallout, un recueil de notes et réponses des développeurs des premiers Fallout à la communauté, il est mentionné que le reste du monde est sûrement autant touché que ne l'est les États-Unis. C'est Emil Pagliarulo, un des game designers, concepteurs et scénaristes des Fallout de chez Bethesda, qui nous a dit ça. Sans prendre en compte le VEF et l'histoire post-Grande Guerre des États-Unis, et en prenant en compte uniquement la Grande Guerre en fait, comme conflit, en tuant énormément de gens, et en appliquant cette guerre et cette chute des bombes à l'entièreté de la planète, il est finalement fort probable que les chiffres de cette vidéo soient assez près de la réalité, enfin de la réalité de la fiction de l'univers Fallout, je me comprends. Voilà donc pour la réponse à cette question. Il resterait donc 215 millions d'âmes humaines dans le monde après la Grande Guerre, survenue en l'an 2077, le 23 octobre, dans l'univers Fallout. Une population de seulement 215 millions d'habitants ne s'agrandit évidemment pas aussi vite qu'une population de plusieurs milliards, ça demande du temps. Donc le monde repart vraiment à zéro, en quelque sorte, hein, avec des conditions d'hygiène, d'habitation, de santé beaucoup plus précaires, bien sûr, dans cet univers post-apocalyptique. Finalement, peut-être que le monde de Fallout et cette Grande Guerre nous a fait revenir à une sorte d'antiquité dans certains aspects. Il suffit de rencontrer quelques connards en jupe pour s'en rendre compte. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'insiste, hein, balancez-moi toutes vos réactions vis-à-vis de ce sujet, votre propre théorie et hypothèse. Et également, balancez-moi toutes vos questions ou sujets pour de prochaines vidéos. Je lis tous vos commentaires et je m'inspire souvent de vos idées, donc n'hésitez pas. On se dis maintenant à dans 2 semaines pour une autre vidéo lore et histoire de Fallout, car j'ai beaucoup à faire dans ma vie de tous les jours. Il faut que je diminue un petit peu la cadence, voilà, tout simplement. Je prépare aussi de nouvelles vidéos IRL et projets de vidéos, des vlogs toujours sur le post-apo qui j'espère vous plairont. Sinon, toujours en stream sur Twitch, sur Fallout. Rejoins mes réseaux en description pour ne rien manquer, le Discord également. D'ici là, mon ami, rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant. Des bisous, à la prochaine. Ciao.